Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider? Eh ben, reconstituer le parcours de Fabrice Merval pour trouver la source de la contamination et isoler les gens qu'il a pu croiser. Fabrice Merval, t'as dit, hein? Pardon pour la question, mais le taux de décès est de combien pour le SRAS? 10%. Et vous? Vous avez été en contact avec le malade? Oui, moi je me suis occupée de lui et maman aussi. C'est la préfecture. Ils viennent de déclarer le service des urgences de Marseille-Est en quarantaine. Plus personne ne peut sortir. Patrick, nous on va bien, on fait hyper attention, t'inquiète pas. Vous allez devoir gérer la crise de l'intérieur, vous croyez que c'est possible? De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Bon, faut qu'on vous laisse, vous nous tenez au courant surtout. Babette, s'il te plaît, faites vraiment attention. Hein. Et bien c'est parti. Vous ne pouvez pas passer, madame. Les urgences sont placées en quarantaine. Oui, je sais, je suis directrice de l'hôpital. Alors ouvrez-moi la porte, s'il vous plaît. Désolé, personne ne doit entrer ou sortir. C'est une question de sécurité sanitaire. Mais j'ai des proches là-dedans. J'ai une équipe à soutenir, moi. Aucune exception. Vous le savez bien, le préfet a dû vous le dire. Mila, madame. Regarde-moi ces jeunes, tu m'entends? Madame, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mila! Vous ne pouvez pas rester là. Bon, écoutez, laissez-moi passer, d'accord? Vous avez quand même laissé à l'intérieur, c'est pas madame, grave. Madame, je vais être obligée de vous faire arrêter si vous insistez. Reculez! Mila! Reculez! Mila! Ces jeunes! Mila! In my hands, I feel the life I used to know. Leave with every shake and I see my goal. 38-9. Allez dans la chambre 112, je viens vous réexaminer dans une heure. Et quand on a tous nos maillots, on fait un foot? Tant que t'as encore l'énergie pour dire des conneries, c'est que ça doit pas aller trop mal. Mais si j'ai pas envie de la mettre, votre tenue à la con. Mais t'es débile ou quoi? Les gens, on doit les tester toutes les deux heures. Alors si t'as une meilleure idée que les blouses pour repérer qui est contaminé ou pas, vas-y, je t'écoute. Pas besoin de gueuler, hein. Moi aussi je flippe. Nickel. C'est bon. Merci. Dis, t'es passé changer la perf de monsieur Gérard? 36-9, c'est bon. Non, faut que j'aille changer le pansement de madame Carvelac. Et vous, on va pas. 39-5. Calmez-vous, madame. Prenez une blouse et un masque, je viens vous voir en chambre 113. Je peux prendre la température des gens si vous voulez. Ça, je peux le faire. Ah oui, ça, c'est super. Comme ça, moi, j'enchaîne avec les soins. Un peu comme ça, merci. Allez, au boulot.